dans l'arrondissement de Déa, deuxième département de la Sanaga-Maritime, le canton d'Okbianga peine à prendre son envol en termes de développement. Et ceci, 22 ans après le décès de son chef supérieur, Sa Majesté Nkak Makok Louran. On est un chef pour impulser ce développement dont on parle. Sans dirigeant, une certaine chiendie pourrait s'installer. C'est pourquoi il nous faudrait un chef. Les travaux entamés, tels ceux d'adduction d'eau, d'électricité ou encore d'infrastructures routières, sont arrêtés. Or, l'État ne pouvant pas tout faire partout, le comité de développement local, sous la supervision de son chef de canton, Pout Augustin, a mis sur pied un cercle de réflexion pour la cause. Et nous sommes à quelques moins de 6 km du barrage de Sonlolo, qui toujours est enclavé. Donc nous avons un problème de route déjà. Nous n'avons pas la route. Nous avons un problème de route. Nous n'avons même pas des marchés saisonniers. Il n'y en a pas chez nous parce que nous n'avons pas la route. Effectuer le plaidoyer du canton par la présentation de sa cartographie en tenant compte des projets communaux de développement pour intéresser élites et bailleurs de fonds à prêter main forte à l'essor du développement. Quelle est la mission de ce cercle de réflexion? Pour rassembler tous les Ndobianga autour d'une table pour penser le développement de Ndobianga, c'est-à-dire plaider au niveau des autorités pour que Ndobianga soit désenclavé. Pour accompagner cette vision, un comité d'organisation a aussi été mis en place. Il va piloter d'ailleurs l'installation du nouveau chef de canton en décembre prochain. Il s'appelait Bingeme Ango. Sa dépouille est retrouvée en matinée du 20 septembre par les populations de Sangmelima à la place des fêtes de la ville. Originaire de l'arrondissement de Lolodorf, dans l'océan, le défunt vivait depuis quelques mois, selon les témoignages, dans la rue avec sa sœur aînée, aveugle, et leur enfant handicapé moteur, fruit de leur relation incestueuse. La dame qui est assise à côté du corps, c'est une dame, elle ne voit pas et on nous a fait comprendre que c'était sa sœur. Et le monsieur qui est assis à côté d'eux, c'est toujours leur enfant. Et lui aussi, il est handicapé, il ne marche pas. Ça fait pratiquement 6 mois qu'ils se sont installés ici. Informés de la découverte macabre, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux pour transporter le cadavre du septuagénaire à la morgue de l'hôpital de district de Sangmelima. Caravanes motorisées sur les rues, campagnes d'affichage dans les quartiers et établissements scolaires, sensibilisation autour des autorités locales, traditionnelles et politiques, les femmes et filles de l'Adamawa appellent à des actions coup de poing contre les discours de haine et la xénophobie, des fléaux qui menacent la paix en Ngaoundéré. Pour ceux qui sont reconnus coupables des discours de haine et de xénophobie par les voies des réseaux sociaux, la peine est plus lourde et elle est prévue par les articles 77 et 78 de la loi de 2010, l'emprisonnement de 2 mois à 5 ans. Cette peine peut être doublée si l'objectif visé par l'auteur est de susciter la haine et le mépris à l'égard des citoyens. Du discours de haine et de la xénophobie, chacun a déjà vécu ici son expérience, tant en présentiel que sur les réseaux sociaux où l'ampleur est exacerbée. Quand vous entendez les wari-wari, le gadamayo, kado et consorts, ça dit ça commence par là. Nous ciblons tout le monde d'abord, parce que c'est tout le monde qui est concerné, c'est tout le monde qui doit être sensibilisé sur les questions de lutte contre ce phénomène-là. L'an dernier, la métropole de l'Adamawa a failli s'embraser pour des insignes religieux sur des uniformes scolaires. Les communautés ont tiré des leçons. Nous avons des élèves donc, sur le plan catholique, sur le plan protestant, sur le plan presque sur tous les plans. Donc, et on ne les oblige pas forcément de faire donc, le cours en islam. On ne doit pas donc, éduquer un enfant en lui montrant que telle ou telle religion ou telle ethnie, elle n'est pas vraiment la bonne. Ce 21 septembre, journée internationale de la paix, conclusion de 10 jours de pacification des cœurs, organisée sous le patronage de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme.
C'est pour s'assurer de l'évolution du chantier de construction du centre de formation au métier de Mandjou que le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est descendu sur le terrain. Dans la suite de Issatiro Mabakari, la directrice de l'Agence française de développement. Ce projet il répondra à des besoins importants des populations, à savoir les besoins de formation, d'emploi. Il va en plus impliquer le secteur privé dans la définition des cursus, ce qui est une excellente chose. Donc voilà, je suis très contente. Le chantier, qui évolue normalement, a permis au maître d'ouvrage d'apprécier la qualité des travaux réalisés. Nous avons eu le plaisir et le privilège de découvrir un chantier, enfin, qui nous donne satisfaction. Pour la première fois, nous avons eu un co-contractant qui a avancé de 70% pour un temps consommé de 49%. C'est une prouesse. Et en plus, en apparence, je ne lui signe pas un chèque en blanc, mais en apparence, il me fait du très bon travail. C'est pour cette raison que je suis très heureux. Pour le maire de Mandjou, ce centre va permettre de lutter contre le chômage des jeunes. Nous avons ensemble constaté l'évolution de ce chantier qui va à merveille. Un centre comme tel va éliminer le chômage. Le chômage, c'est un métier qui est beaucoup plus approprié aux jeunes. Ils suivront des formations qui, dans l'avenir, les permettraient de s'occuper eux-mêmes ou alors d'être utiles. Le bâtiment qui va sortir des terres va permettre d'accroître l'offre de formation dans la région de l'Est. Dans la localité d'Ambam, dans la région du Sud, le trafic routier est un risque pour les populations. Les conducteurs de mototaxis, considérés comme les rois de la surcharge, sont réputés ne pas respecter le code de la route. La délégation départementale des transports a décidé pendant cette rentrée qu'il n'y aura pas d'accident de la route, de la voie publique, n'est-ce pas, sur les axes routiers de la vallée du Ntem. Dans cette optique, nous avons déployé toutes nos équipes. N'est-ce pas, à l'entrée des établissements d'enseignement secondaire, dans un premier temps pour leur faciliter la traversée, dans un second temps, n'est-ce pas, pour sensibiliser les autotaxis par rapport à la surcharge et par rapport aux excès de vitesse. Pour les remettre sur la route de la légalité et réduire le nombre d'accidents dans cette partie du pays, la délégation départementale du transport de la vallée du Ntem a organisé une opération de répression contre les réfractaires après des semaines de sensibilisation. Quand une moto a plus de 3 passagers, nous déchargeons. Quand un motoman est en babouche, on le sensibilise et, n'est-ce pas, également les excès de vitesse. Et d'ici la semaine prochaine, nous allons faire le tour des établissements d'enseignement secondaire pour sensibiliser les élèves, pour sensibiliser également les enseignants, les dangers qu'ils courent en se retrouvant 4-3 sur une moto. Donc dans la vallée du Ntem, pendant cette période de rentrée, nous voulons zéro accident de la voie publique. Cette descente baptisée « Zéro accident » vise à faire d'Ambam une ville où les conducteurs roulent sur la voie des respects des lois. $65 millions de francs CFA remis à 6 communes et communautés pour les activités synergétiques dans les aires protégées du Nord. La cérémonie de remise de ces quotes-parts des taxes d'affernage a eu lieu à Garoua. Les communes de Toubourou, de Madingring, de Choliré, de Beka, de Poli et de Rebouba sont les communes concernées par ces chèques qui vont permettre de réaliser les projets sociaux et infrastructurels dans les localités bénéficiaires. C'est qu'avec cet argent, nous allons d'abord réaliser les œuvres sociales, c'est-à-dire nous allons mettre au niveau de l'éducation, la santé, les points d'eau au niveau des villages. Et aussi, comme ces aires protégées nous produisent de l'argent, nous allons aussi voir avec le service de la conservation qu'est-ce qu'on peut faire en faveur de la conservation pour préserver aussi ces ressources. Les parties prenantes ont été sensibilisées sur la gestion et l'utilisation de cet argent reversé par l'État du Cameroun. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eddy, insiste sur quelques points. Et sachez que ce n'est pas de l'argent de poche, c'est de l'argent public, avec traçabilité. Nous avons vu ceci, on a fait cela et on vient voir. Pour 5 ans qui seront distraits, croyez-nous,
vous pouvez vous retrouver très loin. Cette rétrocession des taxes d'affermage aux communes et communautés riveraines des parcs des zones d'intérêt synergétique pour les années 2019-2020 et 2020-2021 s'élève globalement à 65 millions. Ces fonds seront utilisés en collaboration avec les communautés pour identifier les éventuels problèmes autour de ces villages et traduire en projets concrets et les mettre en œuvre. Voilà. Des contrôles inopinés de mise en œuvre des 10 projets sont annoncés sur le terrain afin de s'assurer de l'utilisation louable des fonds. À 7 km au nord de Berthois, Sewele Antoinette vante son dur labeur, fruit d'une coopération avec le Programme alimentaire mondial sur la résilience agricole. 2 ans que sa coopérative bénéficie du soutien du programme onusien. Nous avions un magasin de stockage et une machine de transformation de tapioca auquel, par l'aide du PAM et Assad, qui nous ont offert ces machines. En plus, un tricycle à l'appui. Si Antoinette, aujourd'hui, intègre un nombre important de réfugiés, Amadou Hamza, réfugié volontaire pour sa part, convié au cash transfert et réceptionne des denrées du PAM. Nous sommes sur le site des activités où le PAM, avec les autres agences, sont en train de mettre en œuvre des activités d'assistance alimentaire pour les couches les plus vulnérables. Mais comme vous le voyez derrière moi, il y a un lien avec des activités de relèvement et de résilience, de renforcement de la résilience pour assurer une autonomisation de ces groupes de bénéficiaires. Le contexte de cette mobilisation s'inscrit dans le cadre Nexus, un programme englobé de plusieurs composantes des Nations Unies. Le premier acteur dans le Nexus, c'est l'État, que ce soit au niveau national, régional ou local, et au niveau des communes, qu'on appelle des zones de convergence, c'est le maire et l'exécutif communal qui ont la charge de s'assurer qu'on crée ces liens dans la commune. Près de 15 000 réfugiés bénéficiaires enregistrés à Mandjou. La Concrée connaît certes une présence non négligeable de ces derniers et l'apport des organismes de l'ONU. Vivement salué. Rentabiliser les initiatives de cacoculture et promouvoir au même moment les herbes fruitiers, tout en préservant durablement l'environnement, c'est l'intérêt de l'initiative lancée par la plateforme africaine du cacao pour promouvoir la cacoculture durable dans les bassins de production du Cameroun. La plateforme qui bénéficie du soutien de la GIZ vient d'implémenter l'approche chez plusieurs producteurs. La prise en compte des arbres agroforestiers permet d'avoir des rendements importants sans raser la forêt. Déjà, la cacoculture permet, si elle est bien faite, aux producteurs de pouvoir subvenir à ses besoins, mais en l'associant justement à une pratique de l'agroforesterie, on peut avoir dans le cas de certains producteurs des arbres fruitiers qui sont introduits dans la cacaoyère, qui à travers la commercialisation des fruits apportent des revenus supplémentaires aux producteurs. Mais à côté de cela, on peut également avoir d'autres espèces d'arbres qui peuvent avoir des vertus médicinales, ou bien des arbres indigènes qui procurent plus l'ombrage et fertilisent le sol. Pour les producteurs du cacao, c'est une solution hautement bénéfique. Il y a d'abord l'avantage que ça fertilise le sol. Oui, ça protège mes plants contre les rayons solaires. Quand il y a les arbres d'ombrage, il y a moins d'attaques de capsides. Ça fertilise le sol. Ça permet qu'il n'y a même pas l'érosion. Le conseil que je donnerais à d'autres producteurs, c'est de pouvoir se concentrer dans l'agroforesterie. Parce que c'est un domaine qui paye vraiment. Non seulement ça aide le producteur lui-même, ça aide aussi la nature. La rentabilité observée devrait à coup sûr encourager d'autres producteurs à mettre en œuvre cette technique mixte qui diversifie leurs revenus et préserve l'environnement. Des jeunes gens blancs d'émotion devant un auditoire noir de Mans. Face à cette procession en la salle d'audience de la cour d'appel du Sud, le juriste latin aurait dit « res ipsa loquitur ».
L'audience revêt une qualité faste avec des présences de notables, dont celle de la préfectorale. Conformément aux dispositions spéciales du corps du fonctionnaire de greffe, en son article 9 alinéa 2, voici le serment solennel. Je jure le bien de réellement en fonction des greffiers et d'en 129 greffiers adjoints, récemment affectés pour la première fois dans le ressort de la cour d'appel des séances, a passé tour à tour devant la barre. Réquisition du procureur général au conseil du président de la cour d'appel du Sud, plus que de simples outils oraux et écrits. Les sanctions prévues en cas de non-respect de cours, tant au plan civil, pénal qu'administratif. Jura l'ex, 7 l'ex. Et une mise en emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 20 000 à 100 000 francs, celui qui est versé sans autorisation de celui a été apporté un fait confidentiel et a commis. Obiter dictum. Le greffier des juridictions judiciaires assermenté, ses qualités d'auxiliaire de justice le plus proche du juge et de garant du respect de l'authenticité de la procédure tout au long de l'instance judiciaire en fait le script de la justice. La région de l'Ouest est un gisement en matière culturelle, richesse patrimoniale, sites touristiques, musées, l'arc, chute et autres merveilles de la nature. Le secteur du tourisme dans cette partie du territoire connaît beaucoup de problèmes du fait de la pandémie du Covid-19 depuis 2019. À l'occasion de la 43e journée mondiale du tourisme, les différents acteurs du secteur mûrissent des réflexions pour la promotion du tourisme local. Revoir des nouvelles voies pour pouvoir innover. Et là, l'innovation sort déjà, pourquoi pas, par la digitalisation. Parce que là, les gens ne vont se déplacer plus. Il faudrait qu'on amène déjà les gens à voir déjà ces richesses-là à partir d'ailleurs. Et c'est la vision qui fera en sorte que les gens reviennent. Et encore, c'est une chance. Parce que maintenant, les pays qui étaient avancés et nous autres qui étions un peu au niveau moyen, nous avons les mêmes opportunités. Lors du lancement officiel des activités à Bafoussam, outre les parades, des pistes d'innovation. Tourisme sans suivi tue le tourisme. Pourquoi ? Parce que des sites touristiques du Cameroun, plusieurs aujourd'hui sont en déclin. Pourquoi est-ce que c'est en déclin ? Tout simplement parce que les touristes qui y vont, les entrées qui n'entrent pas en étroite collaboration avec l'aménagement et les innovations que nous pouvons amener encore à ces sites. Vous aviez eu des modèles archaïques avec lesquels vous fonctionnez. Aujourd'hui, tout est quasi numérisé. Donc les choses se doivent d'être revisitées. Le thème de la 43e édition est intitulé « Repenser le tourisme ». En d'autres termes, on voudrait dire « Penser à nouveau le tourisme ». C'est, n'est-ce pas, l'examiner à nouveau, c'est l'envisager sur d'autres bases. Repenser le tourisme local, c'est aussi revoir de nouvelles voies pour innover. Assemblée générale de pré-saison du Stade Renard Football Club de Melun. Ce 18 septembre, la mythique équipe du département du Mungo prépare ses effectifs. Le président en exercice, Jean Couété, est maintenu à la tête de l'équipe avec tout son bureau. Je suis ici pour la validation de cette assemblée. C'est très fort et je confirme ici devant vous tous que cette assemblée est validée. Tout s'est bien passé. Je suis certes convaincu que pour le cas de cette année, si Dieu met la main, nous allons, ce ne serait que décrocher un titre. Occasion de présenter aux supporters et sympathisants du club le nouveau staff technique et les nouvelles recrues. Partout où je suis passé, j'ai toujours apporté ma petite touche. Et la question de mettre d'avoir une bonne équipe sur pied et essayer de travailler les compartiments. C'est vrai qu'on a commencé avec du retard, il faut l'avouer. Quand vous êtes dans une zone un peu reculée comme ça, Renard, comme Melun,
Et vu les objectifs du club, vu les ambitions du club, ça vous permet davantage d'être un peu plus concentré. Je pense qu'avec le groupe et la venue du coach Olivier Nankami, nous pourrons faire quelque chose de bien cette saison. 21 nouveaux visages qui s'ajoutent aux 12 anciens, soit un pourcentage de 75% de rénovation. Nous avons même besoin de titres, encore des titres. Donc si on peut même être champion du Cameroun ou avoir une Coupe du Cameroun, ça nous fera vraiment plaisir. C'est ce que nous avons besoin en cette saison. Un savant mélange d'expérience et de jeunesse dans l'effectif qui aura pour objectif cette saison de remporter au moins un titre pour le bonheur des supporters du club de Melun. Double cérémonie ce mercredi à la cathédrale Saint-Sébastien de Gondon de Bafia dans l'Ombame Inoubou. Le lancement de l'année pastorale 2022-2023 et l'ordination d'un nouveau diacre par l'évêque du diocèse de Bafia. Les hommes de Dieu ont été envoyés de nouveau en mission pour l'évangélisation de la parole de Dieu. L'évêque du diocèse de Bafia leur recommande de créer des sources de revenus dans chaque paroisse pour être autonome et de travailler à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Ceux que j'envoie en mission, je rappelle que nous devons travailler comme une équipe, c'est-à-dire dans la communion. C'est très très important. Ce n'est pas du chacun pour soi, nous devons être en communion. C'est ça la force de l'Église. Dans l'Esprit Saint, nous devons agir comme les membres d'une même équipe. Selon l'évêque du diocèse de Bafia, l'année à Maurice Laetitia, qui vient de s'achever, a été une année de grâce. Cette double cérémonie a vu l'ordination d'un diacre en la personne de l'abbé Jocelyn Piaget Ngodjo, qui pour l'évêque est un motif de fierté. Comme la providence de Dieu l'a voulu, cet envoi en mission de tout le peuple de Dieu pour cette année pastorale coïncide avec l'ordination d'un nouveau diacre qui est ministre de la parole de Dieu et qui va ainsi nous permettre d'aller encore plus loin dans l'annonce de l'évangile. Le nouveau diacre est conscient de la mission qui lui est assignée. Honneur d'accueillir cette grâce imméritée du Seigneur qui m'appelle à sa vigne porter la parole au monde entier. Pour cela, je profite pour dire merci à Monseigneur Emmanuel Dassi et à mes chers pères, Monseigneur Zachary, Abbé Jean-Aimé et Abbé Roméo Mvogo, à mon grand frère, Abbé Marius Timbi, qui est toujours là pour moi. Il a été demandé aux fidèles chrétiens de prier pour les nouveaux séminaristes afin que le diocèse de Bafia bénéficie encore de nouveaux.